Comment ça va bien tout le monde? Bienvenue pour ce flash info numéro 11, on dit en italien, numéro 11, flash info numéro 11. Avant tout, avant quoi que ce soit, avant que vous me parliez, que vous me coupiez, je voulais vous dire à tous merci, merci vraiment pour toute cette semaine. Passé la semaine dernière, on a fait un live tous les soirs, que ce soit sur YouYou, sur TikTik, sur la TikTik de la technique. En tout cas, j'étais là tous les soirs avec vous. Vraiment, merci, merci, merci. Beaucoup de bons retours. Alors vraiment, merci, merci, merci à tout le monde. Bon, je vous avais dit, des nouvelles vidéos qui arrivent. Là, c'est le Flash Info numéro 11. Vous avez vu, regardez ça. Regardez, magnifico, on dit en italien. Quel décor! Ah, je vous ai dit que j'allais vous mettre, eh bien, ce décor fantastique derrière moi. Eh oui, c'est la marque aussi de Fred Dulac 113 Medium. Bon, je ne l'ai pas trop dit, mais comment ça va bien, mes amis? Comment vous allez tous bien? Comment ça va, mes petites patates chaudes? J'espère que tout le monde va bien. Donc, Flash Info numéro 11. Aujourd'hui, ce soir, demain matin, peu importe quand vous le regardez. En tout cas, c'est important. Je voulais faire des vidéos. Je n'ai pas eu trop le temps la semaine dernière, mais cette semaine, eh bien, je voulais faire des vidéos pour vous. D'accord? Voilà. Avant tout, je voulais dire un merci à tout le monde. Je vous l'ai déjà dit, mais vraiment merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix, comme on dit. Ça, c'est vraiment chaud la patate. Et vous êtes vraiment tous et toutes chaud patate. Et vraiment, je remets mon nœud droit, hop. Et vraiment, merci à tous. Voilà. Donc, n'oubliez pas, tout au long de la vidéo, même tout de suite, de commenter dessous, ici. Likez, partagez, mettez un pouce comme ça. Mettez pas l'autre doigt, sinon après, ça fait pas le même effet. Mettez un pouce comme ça et pas comme ça. Mettez dessous, ici, dessous, un pouce comme ça pour ma vidéo. Commentez, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Faites ce que vous voulez avec ma vidéo. Montrez-la sur toutes les chaînes. Montrez-la à qui vous voulez. En tout cas, faites comme vous voulez. Ici, c'est vous les maîtres, c'est vous les rois, c'est vous les âmes élevées. Voilà, vous avez vu, je suis encore chaud patate. Tous les soirs, je suis chaud patate. En tout cas, bienvenue pour ce Flash Info numéro 11. Alors, qui dit, vous avez l'habitude, alors vous pouvez prendre un café si c'est le matin, une infusion, vous pouvez prendre un lait d'or, vous pouvez prendre un thé, vous pouvez prendre ce que vous voulez. En tout cas, prenez ce que vous voulez. Moi, là, c'est le soir, c'est même la nuit. Donc moi, je ne prends rien, mais à vous de voir ce que vous voulez prendre. Prenez ce que vous voulez si ça vous fait plaisir. Ah, faut se faire plaisir dans la vie, c'est comme ça, c'est ce qu'on dit, faut se faire un peu plaisir parce que c'est tellement triste, on est tellement appuyé sur la courge ici, qu'on n'arrive plus à simplement vivre, on survit, c'est pas bon, c'est pas bien. Avec moi ici, vous allez être toujours chaud la patate, ok? Voilà, ça c'est dit. Donc, je voulais commencer par un petit mot avant de vous parler, du thème de la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, le Flash Info, c'est un peu un thème que ça fait un peu longtemps que je vous parle de ça. Et vous verrez, je vais vraiment vous dire quelque chose de précis parce que c'est important pour moi et pour vous, puisque c'est ce qu'on m'a demandé de vous faire passer comme message. Eh bien, au niveau des anges et des guides, ils ne sont pas contents non plus. Je vais vous dire tout de suite après ce que c'est. Avant tout, mes amis, je voulais vous présenter... Vous savez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors, est-ce qu'on voit bien sur la caméra? Parce que je n'ai plus trop l'habitude de cette caméra. Elle est grande. Comme il ferait notre ami Louis de Funès. Je regardais Le Petit Baigneur hier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ce film. Dites-moi en commentaire Le Petit Baigneur. Mais franchement, j'adore. C'est pas Dior, mais c'est Louis de Funès. Franchement, il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux, il n'y avait pas beaucoup de ci, il n'y avait pas beaucoup de là, mais ils étaient très... c'est un peu la vie de tous les jours qu'ils nous montraient à la télé, comme ça, avec un Louis de Funès, vraiment. Louis de Funès et aussi son collègue, qui est souvent avec lui, Michel Galabru. Voilà, je voulais vraiment faire un petit coucou aux deux, sûrement ils nous regardent de là-haut, parce que vraiment, c'était simple, c'était bien, c'était de la simplicité. Il n'y avait pas d'effets spéciaux, mais...
Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que j'adore ça? Franchement, j'adore, 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 j'adore ça. Voilà un petit message en passant à Louis de Funès et Michel Galabru, hein, deux magnifiques acteurs. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler avant tout de un de mes deux partenaires. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Là, je tenais à lui refaire un petit coucou. Je fais coucou à Natural Mystic Shop. Je mettrai le lien en description sous ma vidéo parce que j'ai eu un coup de cœur. Et vous savez que moi, quand j'ai un coup de cœur, alors ça fait pas partie, ça fait partie des coups de cœur. Vous verrez qu'après, comme dans les flash info, hein, eh bien, j'ai un coup de gueule, j'ai un coup de cœur. Là, c'est un coup de cœur encore en plus. J'ai eu un coup de cœur pour cette orgone. Alors, vous ne la voyez pas bien pour le moment parce qu'elle est emballée. C'est l'orgone Triskel. Voilà, c'est vraiment une orgone. J'ai eu un coup de cœur, je vais la déballer devant vous, je vais vous la déballer, hein, on parle bien français, je vais vous la déballer ici devant vous, regardez-moi ça, j'ai eu un coup de cœur et j'ai dit Julien, hein, celui qui est PDG, hein, celui qui est PDG de président de, enfin président, il est auto-entrepreneur, il est entrepreneur de son entreprise, naturalmysticshop.com, je vous mettrai le lien sous la vidéo et vous verrez, vous aurez du pourcentage dessus si vous voulez acheter la même. Celle-ci, elle est très, 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 j'adore, j'adore. Regardez, je vais vous la montrer un peu de près. Est-ce qu'on voit bien? J'aimerais bien qu'on voie bien. Hop, voilà, oui, on voit bien. Regardez ça, elle est magnifique, magnifique. J'ai vraiment eu un coup de cœur, hein, pour cette orgone. Hop, alors, c'est pas facile avec la lumière, mais on va essayer de faire comme ça. Voilà, regardez cette orgone. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique cadeau, oui, magnifique cadeau de Julien et de Célia, hein. Je vous embrasse bien fort, amicalement. Hein. Je t'embrasse sur le front, Julien. Les rugbyman, avant, ils disaient ça. Je t'embrasse sur le front, ça veut dire que tu es mon collègue, mais je t'embrasse bien fort quand même. Ça, c'est entre les rugbyman. Voilà, Eliane, tu te souviens, hein, je ne sais pas si tu es au courant de ça. Hein. Voilà, une superbe orgone. Donc, c'est l'orgone Triskel. Elle s'appelle l'orgone Triskel en sungite. Je ne sais pas si ça se dit sungite ou sungite. Si c'est sungite et cristal de roche, bien sûr. Regardez ça. Elle est magnifique en sungite noir. Et ça, c'est de la protection maximum. En plus, elle a le. Alors, il m'a dit de dire quoi? Il m'a dit de dire l'onde forme en cuivre choisie est le Triskel breton. Oui. Regardez le Triskel breton. Ah ben. Tous les Bretons l'auront reconnu. Hein. Et voilà, ceux qui ne connaissent pas, regardez, vous avez vu le signe ici, dessous. Le signe dessous, c'est du Triskel breton. Voilà, c'est un peu. Alors, il faut que je fasse dans le bon sens. C'est un peu le. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. Hop, c'est un peu le signe des Bretons. Hein. Vous avez reconnu, mes amis Bretons. Et oui, hein, Marie, eh ma Marie, là, c'est spécialement pour toi, ça, hein, de Bretagne. Hein. Et même de beaucoup, je pense à Eric aussi, qui est mon copain Eric aussi. Je pense à toi, Eric, et puis je t'écrirai bientôt. Je pense à tout le monde, mais voilà, il faut que j'écrive à tout le monde. Donc ça me prend un peu de temps. Regardez, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Et ça, c'est de la protection. Hein. Et ça, franchement, pour tous ceux qui ont un petit problème d'onde, tous ceux qui sont pas bien dans leur vie, tous ceux qui. Voilà, tous ceux qui ont un peu de négatif dans leur vie, ça s'appelle la Triskel. Regardez, avec la sungite noire, vraiment cadeau de Natural Mystic Shop. Voilà, le message est passé. En tout cas, contactez-moi, je vous mettrai le lien dessous si vous voulez acheter la même. Vous pourrez avoir la même, c'est pas très très cher. Ça peut être cher pour certaines personnes, mais c'est pas très très cher. Et en plus, ça fait beaucoup d'effets positifs. Voilà, ça vous protège, protection, d'accord? Voilà, la sungite noire, la Triskel. Merci Célia et merci Julien. Voilà, je vais la laisser par là. Hein. Où c'est que je pourrais la poser? Alors, il ne faut pas que je la casse. Vous savez que moi, je suis un pro de la casse. Hop, si on la met là, on ne la voit pas trop. Si je la mets là-bas, on ne la voit pas trop. Bon, ben, je vais la laisser. Je vais la laisser. Allez, ici. Ouais, on va changer là. Hop. Hop, on va mettre le. Désolé, hein. Toujours effet tout à la dernière minute. Hein. Attention, pas la casser, Fred du Lac. Hein. Ok, vous avez vu, elle est là. Elle nous protège, d'accord? Allez, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien depuis ces.
8 lives la semaine dernière. Un live tous les soirs. Un live sur YouYou, un live sur TikTok, 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 un live sur Insta, un live sur YouYou, un live sur TikTok, un live sur Insta. Tout le monde m'a dit, eh Fred, t'es chaud patate pour faire ça. Eh oui, il n'y a que moi. Hein. Mais vous savez, je vous prépare quelque chose, je vous prépare vraiment, je l'ai dit. Hein. Je l'ai dit, moi j'aime bien les défis et je vous prépare pourquoi pas un 24 heures de live, voire même plus. Un live tous les soirs, un upload live, je crois que ça s'appelle comme ça, tous les soirs sur YouYou, ça arrive bientôt. Voilà, d'accord? Bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du Flash Info numéro 11. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il va avoir plein de Flash Info qui arrivent. Je vais même. On va voir, on va voir. Il n'y a encore rien de défini, mais je pense que ça va se poursuivre, les lives et les flash infos. Voilà. Parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc, aujourd'hui, vous savez que les flash infos, on commence toujours par un coup de gueule et un coup de cœur. Je vais commencer par un coup de gueule. Et mon coup de gueule d'aujourd'hui, eh bien, c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Et j'ai entendu encore parler ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, avec un fusil. C'était pas prévu ça. Ça, Fred Dulac, là tu dérives un peu. C'est jamais prévu, mais bon, je sais pas, elle est venue comme ça. Comme ça vient, ben moi je vous le dis. Hein, voilà. Si je rigole tout seul devant la caméra, ça va plus aller. Hein. Hein, ça va plus aller. Oh Fred, oh Fredoche, oh Fred Grand Cœur, oh mon Fredo. Il y a plein de pseudos. Hein. Pouh, vous arrêtez pas, hein, vous arrêtez pas. Ben, vous avez raison, continuez. Appelez-moi comme vous voulez. Hein. Fred Grand Cœur, Fred Dulac. Ah, merci à tous en tout cas. Bon, coup de gueule, coup de gueule. Le professeur Perron, ça vous parle, ça vous dit quelque chose, vous me direz en commentaire aussi. Dessous là, vous me direz en commentaire, professeur Perron, toujours avec bienveillance, toujours avec de la positive attitude, toujours avec PPA, même si c'est un peu chaud patate, toujours PPA. Eh bien, le professeur Perron, il a dit quoi? Pas plus tard que ce matin, il a parlé des fact-checkers. Ah, fact-checkers. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas bilingue, donc je vais vous dire un peu ce que c'est. Les fast. Fact checkers, eh bien, simplement, ce sont des personnes payées qui viennent des lobbies milliardaires. Chut, faut pas trop le dire fort, on le dit doucement. C'est des personnes payées par les lobbies milliardaires qui sont là pour, eh bien, pour un peu casser, pour un peu diminuer la vérité, en fait. C'est le professeur Perron qui disait ça. Allez voir, allez voir. Les fact-checkers. Donc mon coup de gueule, c'est pour toutes ces personnes-là qui nous font passer nous pour des ou vous pour des oufs, pour des ce que vous voulez. En tout cas, la vérité, nous on a raison, nous on a raison, et eux nous font passer pour ce qu'on n'est pas. Nous on a la vérité, c'est ce que dit le professeur Perron. J'aime assez le professeur Perron, hein, parce qu'il dit assez des choses, voilà, il dit des choses vraies. Et donc, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Il y en a marre des faux, il y en a marre des lobbies, il y en a marre des. Non, pas les milliardaires. Moi, j'aimerais bien être milliardaire quand même, quand j'y pense. Voilà, si un milliardaire m'écoute, et si, voilà, moi, je suis prêt à dire la vérité sur les milliardaires. Hein. Je sais pas. On verra, on verra. En tout cas, voilà, ici. Eh bien, les fact-checkers, ils payent des gens pour un peu contredire la vérité sur Internet. C'est pas bien. Il faut être toujours dans le vrai. Vous savez pourquoi? Parce que la fausseté prend l'ascenseur. Et la vérité prend l'escalier. Et la vérité arrive toujours plus tard. Parfois, mais elle arrive toujours à l'heure. Voilà. D'accord? Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si vous connaissez les fact checkers. Oh, c'est dur à dire ça. Fact checkers. On verra. Peut-être que dans le futur, eh bien, tout le monde va se réveiller, puis que Internet ne sera plus, peut-être. On verra. On verra bien. Hop, attendez, je remets ma chemise. Je remets mon nœud papillon. Hop, qu'il soit droit. Voilà. Bon, c'était mon coup de gueule du jour, hein. Bien évidemment, comme d'habitude. Ah, on va passer au coup de cœur, vous connaissez, hein, maintenant.
Flash info numéro 11. Je vous dirai après de quoi on parle. Je vais vous faire deux, trois tirages sur le thème précis. Mon coup de cœur. Allez, je vais vous parler de qui? Vous savez de qui je vais vous parler aujourd'hui, ce soir, ce matin, cet après-midi. Je vais vous parler de John. Ah, John, ça vous dit rien. Et pourtant, je vais vous parler de John qui habite à Woburn. J'espère que ça se dit comme ça. Woburn. Oui, c'est dans le Massachusetts. Ah, vous connaissez pas, hein? John, qui habite à Woburn dans le Massachusetts. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, je parie que personne ne connaît, hein? Et pourtant, je vais vous parler de cette belle action qu'il a faite. Qu'il a fait ou qu'il a faite? En parlant français, qu'il a faite. Voilà, on dit qu'il a faite en français, en bon français, hein? Oh, je suis allé longtemps à l'école, moi, donc pas de doute. Pas de pas de like. Voilà. Donc, oui, ne dérivons pas. Donc, coup de cœur, John. John, il a fait quoi? Ben, vous savez, John, c'est un livreur de colis. En fait, ce livreur de colis, eh bien, il fait sa tournée, puis à un moment donné, il va livrer un colis au Massachusetts. Et il va livrer un colis, puis il entend un bruit bizarre. Alors, il se dit, tiens, il entend un bruit bizarre d'une maison à côté. Et il se dit, tiens, c'est pas normal ce bruit. Et qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il escalade la clôture et il va voir ce qui se passe. Il entend des bruits, encore plus de hurlements. Alors, il se dit, tiens, c'est bizarre, il faut quand même que j'aille encore plus voir. Il va voir, il va voir, il va voir. Et il escalade la clôture. Je fais bien. Et il saute. Il saute de l'autre côté et là, il fait le tour de la maison. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un train. Il voit un train. Il voit pas un train. Il voit un chien, il voit un husky de la. Il voit un husky. La race husky, voilà. Des fois, attention, je me méfie de pas dériver. Il voit un husky. Il voit un husky dans une piscine en train de se noyer. Voilà, tout simplement. Et le chien, il fait un bruit bizarre et donc, il décide de jeter à l'eau, de voilà, c'est toute une histoire. Il décide de jeter à l'eau, de prendre le chien, de le sortir de la piscine. Et en fait, ce chien avait 14 ans, avec des problèmes osseux, donc il pouvait pas sortir de la piscine. Et grâce à ce John, very good of day, hein, very good, je sais pas comment on dit en anglais, gratitude. En tout cas, il a sauvé ce chien de la noyade, vraiment. C'est pour ça que je voulais vous dire, c'est le coup de cœur du jour. Quand on se balade dans la rue, quand on est avec des amis, quand on, voilà, peu importe ce qu'on fait, c'est important d'avoir l'oreille, c'est important de regarder ce qui se passe autour. Et quand quelqu'un a besoin d'aide, que ce soit un animal ou un humain, on vient en aide. On se doit d'aller en aide. C'est très très important, d'accord? John, merci. Je vous mettrai le lien en description, vous verrez, vous allez voir l'histoire. Elle est fantastique, j'adore ces coups de cœur. Et c'était le coup de cœur du soir pour vous tous. Voilà. Bon, vous êtes bien? On est bien? Vous avez bu un coup de café, un coup d'infusion, un coup de lait d'or, un coup de coude, chou, 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 chou. Un coup de boule? Non, 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 ça se fait pas. Allez, je vous laisse un peu apprécier. Je me tais pendant 2 secondes, regardez ce décor. Vous me direz comment vous trouvez le décor. It's fabulous. Je vous ai dit que j'allais vous faire des vidéos avec des décors de feu, des décors de folie. Là, il y a des escargots, il y a des champignons. Oh, on est bien, on est dans une autre galaxie, on est bien. Vous ne trouvez pas? Vous me direz en commentaire, mes amis. Allez, on y va pour cette vidéo. Bon, ça fait que presque 20 minutes que j'ai commencé la vidéo, mais là, je vais accélérer un peu. Et donc, on va parler de quoi pour cette vidéo? Donc, le Flash Info numéro 11. Il va concerner le New Age. Vous savez ce que c'est le New Age? Ah, alors il y en a qui disent, il y en a qui en ont déjà entendu parler. Tiens, le New Age, c'est bizarre, je connais pas tout ça. Le New Age, c'est un peu la variante qui est en ce moment. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle est là. Et ça fait plusieurs années que certaines personnes en parlent. Alors, j'en parle souvent. Je parle souvent de ce chercheur CNRS, hein, Philippe Guimand, mais ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui en ont parlé, du New Age, un peu de la fausseté qui arrive. Et vraiment, je voulais faire un tirage là-dessus, savoir ce que les anges et les guides ont à nous dire à tous par rapport à ça. Vous savez ce que c'est le New Age? C'est vraiment le thème
de ce Flash Info numéro 11. Et donc, ce sont un peu des faux médiums, des faux voyants, tout ce qui est faux en fait sur le net, tout ce qui est faux dans dans la vie d'aujourd'hui, tout ce qui est faux et le message qu'ils font passer, c'est vraiment du faux en disant que nous, les vrais médiums et les vrais voyants, on est faux. Ça, c'est le New Age. Vous voyez, c'est comme par exemple les cartes du diable, c'est comme les croix à l'envers, ils croient pas en la religion. Alors je vais regarder parce que j'ai noté quand même beaucoup de choses. Ce sont les âmes basses qui veulent décrédibiliser la voyance, les médiums et autres. Voilà, les âmes basses qui décrédibilisent, qui me décrédibilisent moi. Moi, ils ont du mal. Certaines, ils peuvent. En tout cas, c'est tout ce qui est faux sur Internet, hein. Le New Age, on appelle ça. Ceux qui font des tirages dans le sombre, ceux qui font de la magie sombre, ceux qui montrent, voilà, il y a certains, quelques médiums, ils vont se sentir visés, qui montrent les bons médiums comme moi, et on les montre du doigt, lui il fait ci, lui il fait ça, mais lui il fait pas mieux, et lui il montre du doigt, ça c'est le New Age, ils sont là-dedans, ils sont pour décrédibiliser les vrais, d'accord? Voilà, ben ça je vous l'ai déjà dit, par exemple, vous savez, j'ai mis, par exemple, vous allez voir une voyante, sur les réseaux. Et bon, bah, il y en a qui sont très bien. Moi aussi, je suis très bien, bien entendu. Mais il y en a, vous allez les voir, et ils vont vous sortir un oracle du diable, un oracle sombre, tout ce qui est sombre. Méfiez-vous, ça vient du New Age. C'est la nouvelle tendance. Souvent les oracles qui arrivent hein, sur le marché, je regarde un peu, c'est tout ce qui est sombre, tout ce qui n'est pas dans la lumière, tout ça c'est le New Age. Méfiez-vous, ça pullule sur les réseaux, il y en a plein qui sont là, c'est pour décrédibiliser tous les médiums comme moi. On n'est pas beaucoup hein, de vrai, mais quand même, on est là. Et du coup, voilà, même s'il y en a qui sont un peu différents, tout ça, on est dans le bon, on est dans le vrai. Méfiez-vous du New Age. Les faux semblants qui portent et inondent de négatif et de mal. Oui, c'est ce que j'ai noté. Renseignez-vous, ils prônent. Ah, j'ai oublié de vous dire ça. Ah oui, le New Age, ils prônent l'arrêt des religions. Alors, ils montrent du doigt les religions. Hein. Donc, que ça soit catholique, que ça soit protestant, que ça soit juive, les religions juives, que ça soit les religions musulmanes, tout ça. Alors tout ça, eux, les religions, ils veulent tout y couper. Hein. Tout ça, c'est du faux, c'est pas du vrai. Méfiez-vous, parce que la religion, la vraie, qu'on soit catholique, qu'on soit musulmane, qu'elle soit juive, eh bien, on est dans l'amour. Et donc ça, c'est très important, faut pas l'oublier. Donc oui, ce qu'ils veulent, c'est contrôler le corps et l'esprit. Le New Age. Ils veulent contrôler le corps et l'esprit. Voilà. Ils disent qu'en fait, que la religion, tout ce qui est en connexion avec là-haut, c'est pas trop vrai. On contrôle son corps, on contrôle son esprit. Vous comprenez un peu la différence? Il n'y a pas de connexion avec là-haut. Et pourtant, si, il y a de la connexion. Voilà. Ils sont souvent anti-Christ, anti-voyants, anti-médium, je vous l'ai déjà dit. L'important, c'est soi-même et pas les autres. Ah oui, l'important c'est que quelqu'un New Age, hein, donc pas moi, mais quelqu'un médium, un voyant qui sera New Age ou autre, il y a dans tous les niveaux de la vie, hein, en politique ou autre, eh bien, ils vont recentrer les choses sur eux-mêmes. Donc ils sont égoïstes. L'important c'est soi-même, c'est pas les autres. On pense à soi. Je le dis souvent, faut penser un peu à soi pour donner aux autres, mais là c'est différent. Ils pensent vraiment à soi et les autres on s'en fout. C'est ça le New Age. Égocentrique. Regardez, écoutez bien ce que je vous dis, hein. Ils se font passer pour de faux médiums contrôlés par une entité. Oui, et ça c'est le plus gros point. Ils se font passer pour des faux médiums et se disent, ah, je suis contrôlé par une entité et voilà, c'est l'entité qui dirige et pas moi. Non, on est toujours maître de ce qu'on fait. Et l'entité, c'est... Moi, je suis bien placé pour vous le dire. Je suis souvent en contact là-haut et les entités ne contrôlent rien. C'est nous qui contrôlons. Moi, j'ouvre les portes pour vous faire passer les messages, pour qu'ils viennent, pas en moi, mais pour qu'ils viennent vous faire passer des messages. Donc, si je n'ouvre pas la porte, ils ne viennent pas, d'accord? C'est une petite différence, c'est très important. Le Seigneur est là et bloque tout ça, d'accord? Donc, l'entité ne dirige rien du tout, hein? Rien du tout, hein? La dernière fois, on a eu le bonhomme au grand cœur, il y en a beaucoup qui l'aiment.
On l'embrasse. Vous l'embrassez tous. Eh bien, lui, il venait nous montrer un peu ses capacités. Il est venu nous montrer ben, un peu voilà, ce qu'ils peuvent faire. Et encore, c'est une petite partie de ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir, entre guillemets. En tout cas, ils vont vraiment nous montrer dans les années futures qu'ils sont là et qu'ils sont là pour le bien de tous. D'accord? Voilà. Donc, pas d'entité qui dirige tout ça. Moi, je suis maître de moi-même et c'est tout. D'accord? C'est moi qui dirige, c'est pas eux. Si je veux couper, je coupe. Si je veux pas entendre les messages et vous faire passer les messages, je ne vous fais pas passer les messages. C'est pas leur dire. Hein. Leur dire, eux, c'est l'entité vient là et voilà, ils parlent à ma place. Voilà. Ils veulent faire croire en fait qu'on est un peu. En gros, pour vous résumer, ils veulent vous faire croire que moi je suis un peu fou dingue et que l'entité prend ma place et vous raconte un peu ce qu'ils veulent. Non, 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 non. Non, non, les amis New Age, c'est pas ça la vérité. Moi, je suis en connexion avec là-haut, connexion avec vous, et je suis dans la bienveillance et dans l'amour près du Seigneur. Et ça, personne pourra l'enlever. D'accord? Voilà. Le but est de décrédibiliser les médiums et voyants, et ils veulent rassembler de plus en plus d'âmes avec eux. Ah oui, ils essaient de rassembler, hein. Allez pas voir Fred Dulac, venez avec nous, regardez la croix de Jésus à l'envers, le sombre, la magie noire et tout ça c'est faux, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils veulent essayer de vous rassembler. Et ils font, vous savez, et je vais finir sur ça, après on fera quelques tirages avec quelques oracles, eh bien ils font des séances de channeling, ah, vous connaissez sûrement pas. Après, ceux que ça intéresse pas, je vous conseille pas d'aller voir parce que c'est des séances bizarres, des séances où ils incitent à tous venir un peu. C'est comme une secte. Ils incitent toutes les personnes autour d'eux à venir avec eux. J'ai vu que je laisse tomber la feuille. J'ai pas envie de dire ça. J'ai vu qu'ils arrivent à modifier le chemin de certaines âmes sur Terre. Il y a même un père de famille qui est rentré là-dedans, qui a laissé tomber sa femme et ses enfants et qui est allé à fond dans ce New Age. Voilà. Donc ils sont coupés du monde un peu comme une secte. Hein, c'est pareil. Voilà. Donc s'il vous plaît, faites très attention. Il y a beaucoup de personnes comme ça maintenant. Tous ceux qui disent du mal de Fred Dulac, eh bien, ils sont pas bons parce que moi, je suis que bien, que amour. Je suis là que pour votre bonheur. Et tout ça vient des US. Oui, des USA. De USA. Non, 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 non. IMC. Ah non, c'était pas ça que je voulais chanter. Bref. Bon, voilà. Allez, New Age. On y va pour des petits tirages comme ça. Je vais vous faire quelques cartes quand même. Allez, je vais vous faire quelques cartes. Bougez pas, restez chez Bran, restez chez Bran, mes amis. Restez chez Bran. Combien de temps? 28 minutes, il faut que je me dépêche. Allez, l'oracle bleu, merci les anges et les guides de nous protéger, de me protéger moi, de répondre aux questions. Et de répondre aux questions, oui, et de protéger le tirage et de me protéger moi. Alors, le New Age, est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? Tiens, qu'est-ce que les anges et les guides? Oh, une carte à voler, c'est quoi? L'abondance. Attention, je vous l'ai dit, hein. Première info, regardez. Première info, regardez, l'abondance, ça montre qu'il y en a de plus en plus. On nous décrédibilise. On nous dit, ah, lui, il est ci, lui, il est là. Lui, ceci, lui, cela. Non, 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 moi, je suis qu'amour. Moi, je suis là pour vous aider, vous le savez très bien. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'ils pensent les anges et les guides de ces âmes qui sont New Age, qui sont dans le sombre? Regardez, allez, je mets le jeu ici et on va se tirer deux, trois cartes. Allez, je la prends au milieu, regardez. Première information sur le New Age, c'est quoi? Ah, le mariage céleste. Oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Vous avez raison, les anges et les guides. Le mariage céleste, ça montre que, eh bien, que, en fait, tout est amour. Et à partir du moment où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas la bienveillance et le bien-être, eh bien, tout le reste est faux. Regardez. I love this, I love you, I love. Voilà, je la mets là la carte, je vous remontrerai après. Allez, encore une carte. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Une carte encore volée, hein. Une carte encore volée, 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 volée. Et l'automne, voilà, l'automne. L'automne, c'est des blocages. Vous connaissez maintenant l'oracle bleu? Donc l'automne, eh bien, ça montre que
Ça montre qu'ils veulent bloquer les vrais médiums et les vrais voyants. Ils veulent bloquer tout ce qui est en connexion avec là-haut, parce que c'est eux, c'est pas ça. Eux, c'est le sombre, d'accord? Méfiez-vous, les blocages sont là. Hop, allez, je mélange plus encore une carte. Regardez, hop, je la prends au milieu, hein. Hop, et le travail, voilà. Ils vont tout faire. Ils font tout sur Internet pour couper tout ça, d'accord? Pour couper tout ça, ils font. Ben, ils font un travail pour me casser moi, pour me casser tous ceux qui sont bienveillants. C'est leur job. Méfiez-vous, ils pullulent. Ils pullulent. Ils pullulent sur la toile. Ils pullulent sur la toile. Et en plus, ils se disent, voilà, merci l'oracle bleu. Ils disent quoi? Ils se disent que ce sont eux le. Voilà, eux, ils ont la science. Eux, ils ont vraiment le. Ils ont vraiment le. Voilà, ils ont vraiment le chemin en fait. Et que nous, on est des faux. Attention, méfiez-vous beaucoup de ça. Hein. Ça pullule sur la toile, dernier message. Dernière carte pour l'oracle bleu. Avec. Eh oui, hein, la petite fée, le monde minéral. Le monde végétal, pardon. Le monde végétal, regardez. Eh bien, ça. Ça montre que la vérité, c'est nous qui l'avons. Donc la vérité reviendra par l'escalier. Même si eux, ils pullulent sur la toile, eh bien la vérité, vous savez de toute façon que je suis vrai. Je fais des prières, je fais du magnétisme, je fais des invocations pour vous. Et ça fonctionne très bien. Ça ne fonctionne pas pour tous. Ça fonctionne très bien en général. Ça fonctionne après, il faut du temps. Il faut croire que vous croyez en moi, que moi je crois en vous, que tout le monde croit en Dieu et croit en l'amour. Et là, ça fonctionne, d'accord? Après, il y a le chemin de vie, il y a le libre arbitre, mais peu importe, je suis vrai et vous êtes vrai. Donc, laissez-vous pas avoir par le New Age. Attention, je vous le redis, ils pullulent sur la toile, ils pullulent. Ça veut dire tous ceux qui font du Ouija, tous ceux qui font des petites machines. Vous savez, j'ai vu ça sur Internet, des petites machines, un petit bout de bois là qui va vers le oui, vers le non, peut-être, le Ouija, tous ceux qui sont maquillés en sombre, voilà, tous ceux qui font des cartes, on ne sait pas d'où elles sortent et tout ça, méfiez-vous de tout ça. Les vrais médiums, les vrais voyants sont qu'amour, amour et générosité, d'accord? Allez, ok Fred, on va finir, hop, on va finir avec. On va finir avec un petit message de l'autre oracle, oracle du cœur. Vous savez que je l'aime bien celui-là. Et donc, allez, qu'est-ce qu'il pense là-haut? Est-ce que quand même, nous, les vrais médiums, est-ce que moi, Fred Dulac 113 médium, je vais continuer le chemin ou est-ce que je vais avoir des difficultés par rapport à tout ce qui est faux sur Internet et par rapport à ce New Age? Renseignez-vous sur Internet, vous verrez le New Age. Ça fait un peu peur, hein? Mais renseignez-vous, c'est important de savoir. On fait croire à ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent. Ne croit pas en autre chose, je dirais. Et tous ceux qui croient, tous ceux qui savent, ne croient vraiment en ce qu'ils veulent. Enfin, vous avez compris, vous remettrez ça dans l'ordre. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Allez, regardez quelques petites cartes. Même Caramel, il est à côté de moi, il est allongé là, devant sous la caméra. Les pattes en l'air, il est bien. Allez, message. C'est quoi? La New Vitality. Eh oui! New Vitality, ça veut dire quoi, Fred Dulac? Ben la nouvelle vitalité, en fait la nouveauté, voilà, c'est ça. Ils veulent vraiment vous faire croire que c'est ça la nouveauté, hein, que moi je suis dépassé en fait, moi je suis dépassé. Maintenant l'entité va venir et va vous répondre à sa place, oui, à la place de la personne qui vous parle. Méfiez-vous, il n'y a que le médium qui guide, d'accord? Autre message par rapport à ça. La base des chakras, oui, faut revenir à la base. La base, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est les messages d'amour. Même si, voilà, même si on sait que la vie terrestre, il y a des hauts et des bas, que c'est chaud patate parfois, on revient toujours à la base et il y a toujours une porte de sortie, d'accord? C'est pas dans le sombre. On va pas se concentrer dans le sombre, parce que si on va dans le sombre, après on est mal, d'accord? Allez, encore une petite carte. Hop. Ici, c'est quoi? Clarity of belief. Vous parlez anglais, vous? Il y en a, il dit, c'est quoi, clarity of belief? Non, c'est pas un beefsteak. Hein. C'est la clarté. Ah, oh, mes frères, clarté, clarity of belief. Eh oui, il faut voir clair, il faut toujours avoir les idées claires. D'accord? Si vous connaissez une claire, c'est bon. Si vous ne connaissez pas claire, c'est pas bon.
Non, je rigole. Il faut avoir toujours les idées claires. Vous le sentez. Si c'est sombre, si c'est faux, n'allez pas voir ces personnes. Attention, attention. Parce qu'en plus, ils vont vous amener vers eux, vers elles. Et après, vous êtes dans un engrenage. Et après, ils vont vous demander de l'argent. Et après, vous n'allez plus vous en sortir. Et en plus, souvent, 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 ces personnes font de la magie noire. Et donc, après, ils vous envoient du négatif. Et ça, après, c'est chaud la patate. C'est chaud patate, frère du lac. Chaud la patate. Allez, une dernière carte, ça vous dit une dernière carte? Allez, hop, on y va. The flow. Et après, eh oui, pas une dernière carte, je ne veux pas finir là-dessus. En tout cas, flow, c'est couler, hein. Si on coule. Eh ben oui, si vous allez avec eux, avec le New Age, c'est le flash info numéro 11. Je ne ferai plus que des flash info, je pense, maintenant. Donc, flash info numéro 11, New Age. Eh bien, si vous allez dans ce New Age, vous allez un peu couler comme le Titanic. Comme le Titanic. Une dernière carte, ça vous dit? Une dernière carte. Elle est positive pour nous, les anges et les guides, par rapport au New Age. Dites-moi qu'on va s'en sortir et que Fred Dulac, il sera toujours là avec les autres. Eh oui, regardez! Elle n'est pas belle cette carte. J'adore ce jeu. Vous parlez anglais? Vous parlez anglais ou pas? Open up, ça veut dire quoi? Il faut s'ouvrir. Open. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir à l'amour, il faut s'ouvrir à Fred Dulac. Ayez confiance. D'accord? Voilà. On a finish, 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 finish. Voilà les amis. Allez, je remets tout et on est bien. Allez, j'ai plus rien noté. Je vous dis merci pour ce flash info numéro 11. C'était sur le New Age. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez tant que c'est là dans la bienveillance. Parlez de moi, venez en consultation privée. Fred Dulac avec 2D, Fred Dulac 73 73 @gmx.fr. Vous trouverez ça sous la vidéo. Je vous mettrai le lien de Natural Mystique pour l'orgone. Si vous le souhaitez, eh bien, si vous le souhaitez, achetez-la, elle est superbe. Vraiment, elle est où? Elle est là. Hop, ah oui, j'allais oublier. Elle est là. Regardez ça. Je vous la remontre une dernière fois avec le symbole breton, hein. Alors, je ne me rappelle plus comment on appelle ça. En tout cas, le symbole breton, j'ai kiffé, hein. Moi, c'est comme ça qu'on dit. Hein. J'ai kiffé dessus. J'ai dit, Julien, s'il te plaît, parce que celle-là, elle est nickel. Et en plus, elle a forte protection. Protection contre les énergies négatives. Et vraiment, allez voir sur leur site, je vous mettrai le lien. Vous avez, je ne sais plus combien de pourcentage, je vous le redirai sous la vidéo. Et voilà, consultez-moi en privé. J'ai rien oublié, Fred Dulac, il y a tout. Il n'y a que si d'autres vidéos arrivent, un live aussi, des lives arrivent. Et restez toujours. Toujours positif. Oui, il y en a qui parlaient de la shungite. C'est très 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 important. La shungite, c'est la pierre la plus, celle qui protège le plus. La shungite, c'est ce qu'il y a dans cet orgone, vraiment. En plus, elle est magnifique. Merci, merci à tous. Ciao, ciao. On finit avec la musique. Je vous laisse avec le décor. Je vais m'éclipser comme ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, un nouveau flash info et de nouveaux lives. J'ai rien oublié, Fred Dulac. Si, je vous embrasse tous. Tous, 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 tous et toutes. Surtout, surtout, surtout toutes que tous, hein. Non. Non, bon, on va laisser allumer. Je pense qu'on va laisser allumer, on va mettre la musique et tout ira bien. Allez, je vous embrasse. Regardez, je vous laisse avec le décor derrière. Ciao, ciao, mes amis. Je vous embrasse tous. J'ai oublié quelque chose. Je suis sûr que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. PPA. Et même si chaud patate, PPA. Allez, ciao. Je vous laisse et je mets la musique. Je mets la musique et après je vous laisse. Musique. Ciao, les amis. Ciao, ciao. Bon, les amis, attendez, 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 attendez. Attendez, attendez, attendez. Eh, les amis, vous croyez vraiment que...
avec ma chevron, j'ai une tête de New Age. Non, moi je suis qu'amour et vérité. Ciao, ciao. Ne vous laissez pas entraîner, restez bien branchés à Frais du Lac 113 médium. Ah, ça fait une drôle de tête, hein, comme ça. On dirait que je suis un poisson. Ciao, je vous embrasse tous. Merci. Ciao. Je vous remets un petit coup de musique. Allez, ciao.